Donc voici la troisième partie de cette vidéo qui consiste à ajouter les profils standards, donc un profil d'esquisse 3D, l'équivalent d'esquisse 3D dans SolidWorks. Donc il faut avoir vu les deux précédentes vidéos pour pouvoir faire cette partie. Je ne vais pas rappeler comment on ajoute l'outil BIM, mais il sera indispensable, c'est la bibliothèque qui est disponible dans Onshape. Donc pour cela, on va donc ouvrir la bibliothèque BIM. On va choisir un profil standard. On va donc s'appuyer sur des lignes et des arcs pour placer notre profilé. Donc là, je vais choisir une norme ISO. Alors, normalement, dans mon profil, ici, je devrais mettre du plein, du carré de 14. J'en ai pas dans la bibliothèque de Onshape. Et c'est ce que je ferai dans une prochaine vidéo, c'est créer un profilé adéquat. Donc là, je vais prendre un tube carré. Et j'ai pris la section la plus petite, alors c'est du 25-25 épaisseur 2. Voilà, donc je vais m'appuyer sur des lignes, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Voilà, donc là je vois déjà tout ça qui est monté. On voit que les tubes ne sont pas bien ajustés, hein. Alors on peut proposer de faire des coupes d'onglets. Il va nous proposer directement la coupe d'onglets. Mais si je regarde bien, mon esquisse est au milieu là. Or, si je regarde mon plan, ma cote de 600, elle est à l'extérieur. Ici, je vois mon profil, alors qui est du plein. Hein. Donc, il faudrait que je descende mon profil pour que ma cote de 600 soit bien placée. Donc là, comment je vais faire? Eh bien, avant de faire ma coupe d'onglet et de régler tous les problèmes d'extrémité, je vais déjà placer mon profilé. Donc ici, on voit des petites flèches qui sont là. Ces petites flèches ont plusieurs rôles. Elles permettent de monter ou descendre le profilé. Donc là, il est en dessous de mon esquisse. Mon esquisse étant là, il peut permettre de le mettre à l'extérieur ou de le mettre vers l'intérieur, d'accord, ou le mettre au milieu. Ça me permet également de faire pivoter mon modèle. Voilà, d'accord. Là, je vais revenir sur 0. Voilà, 360 degrés. Je vais vérifier de l'autre côté si tout est OK. Voilà, si je clique sur mon esquisse, on voit que mes profils sont bons. C'est parfait. Alors maintenant, l'idée, ça va être de voir comment on gère ça. Donc là, je veux que ce tube-là soit devant le précédent. Donc je vais aller sur Vertice for Butt Join. Je vais sélectionner le point. Et là, je vois que j'ai une petite flèche qui apparaît. Alors, qu'est-ce que ça a fait? De ce côté-là, ça l'a bien fait. De l'autre côté, ça l'a pas bien fait. Alors, pour vous montrer, c'est que la petite flèche, elle me sert à attirer ou à pousser. Donc là, si je pousse, si je tire, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais peut-être y arriver. Voilà, j'ai inversé. Donc là, on voit que le tube est prolongé. Si je fais le contraire, je double-clique, ça l'inverse. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Mon tube est bien orienté. Si je vais de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc là, je vais sélectionner mon autre point et je vais donc inverser également le côté. Donc là, j'ai bien mon tube qui est devant. On le voit bien avec ce type de profilé et là aussi. C'est parfait. Alors, donc là, j'ai terminé. Je vais voir si je peux pas rajouter d'autres profils. On va voir. Ah bah, je peux le rajouter. On va voir si c'est une bonne idée. Alors là, je vois que mon profilé est en dessous. Si je veux avoir le même comportement, c'est-à-dire que là l'esquisse est au-dessus et là il faudrait que l'esquisse soit en dessous, ben là je vais être bloqué parce que je peux le gérer sur un seul élément. Donc là, dans l'idée, il va falloir créer non pas un seul élément BIM, mais il va falloir en créer deux. Donc je vais supprimer mes éléments sélectionnés ici et je vais valider mon premier élément de profilé. Je vais donc faire réapparaître il a caché les sketchs, mais là on va les faire réapparaître. Voilà. Je vais donc créer un nouveau BIM. Voilà, même profilé, c'est tout bon. Je vais sélectionner mes entités. Voilà, donc une fois qu'on a pris le coup, ça va vite. Je vois que je ne suis pas bien orienté, donc là je vais monter. Je tire. Voilà, et je veux que mon profilé soit vers l'intérieur. Voilà, donc là, ça c'est bon. Je vais donc faire un Vertice for
for bootpull join, je vais prendre l'extrémité de mon esquisse ici. Et là, je vois que mon profil n'est pas bien orienté. Je double-clique sur ma flèche, ça l'inverse. Et je fais la même chose sur le deuxième point. Donc, je clique mon deuxième point. Et là, je suis bien orienté. Donc là, c'est tout bon. Je vois bien que mon profil est en dessous. Ça, c'est parfait. Enfin, l'esquisse est en dessous. Donc là, j'ai bien mes 600. Je valide. Et on va terminer par le BIM. Alors là, on va avoir la même problématique. C'est-à-dire, si je crée les deux, là, je risque d'avoir un petit souci. Donc le 350, on voit que le profilé est vers l'intérieur. Donc si je fais ça, si je le décale vers l'intérieur, voilà, donc je vais être coincé. Donc je ne peux pas rajouter celui-ci. C'est pas très grave. Je vais le tirer aussi vers l'intérieur ici. Donc là, je tire par là. Ok, je suis bon. Ce coup-ci, c'est bon. Je vais maintenant gérer les extrémités. Donc là, il va falloir que je fasse un trim. Je vais trimmer, enfin couper, l'élément à l'aide de cet élément-là que je vais sélectionner. Donc voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc là, j'ai coupé, en fait, contre mon tube avec le profilé existant. Donc là, c'est bon pour celui-ci. Je vais reproduire la même chose en créant un autre BIM ici. Je sélectionne. Je vais donc le tirer vers l'intérieur. Je le pousse de côté. Là, il est bien placé et je fais un trim. Je vais trimer par rapport à ça. Par rapport à ça. Sketch, j'enlève. Alors j'ai fait quoi là? Ah non, j'ai pris par rapport à une face, donc c'est pas ça que je veux. Part, je prends la part, donc je prends le solide et je prends celui-ci. Voilà, je valide et voilà mon profilé réalisé. Voilà pour cette petite démonstration d'ajout de profilé. Alors évidemment, si j'ai des profilés obliques, je peux trimer comme je veux, je peux couper mes profilés en oblique, voilà. Il n'y a aucun souci, on a l'équivalence de ce qu'on retrouve dans SolidWorks. Voilà pour cette troisième vidéo. Il y en aura d'autres sur l'ajout de profil dans la bibliothèque.